le talent de mon père, mais j'ai voulu quand même écrire quelque chose, mais je n'ai pas le talent d'orateur, alors je vais vous lire ce que j'ai écrit. Alors, je voulais vous dire que ma petite histoire avec Pierre est assez sympa. J'étais enfant, 4-5 ans. Pour moi, Pierre était un ami de mon père, un parmi tant d'autres qui me volait mon père des soirées de temps pour parler politique et autres chinoiseries. C'est quand même à son chalet de Duncan que j'ai appris à lasser mes souliers. Pratique, n'est-ce pas? Plus tard, à l'adolescence, c'est là que j'ai compris qui était Pierre Falardeau. J'avais 15 ans et je suis allée sur le plateau du film Le Party. Mon père achetait la cassette « Tu m'aimes-tu » à Richard Desjardins. Et là, j'ai entendu la chanson « Le cœur est un oiseau ». Je l'ai apprise et je n'ai plus cessé de la chanter. Pierre m'a demandé de la chanter au premier événement du comité du 15 février. Au petit café, le porté disparu, puis au spectre. Par la suite, ben, je l'ai endisqué. C'est à ce moment que j'ai eu la chance de parler avec Pierre pour de vrai. Lui qui a été dans la trame de ma vie depuis ma petite enfance, a accepté de faire la photo pour l'album que j'ai fait. Un après-midi à parler de la vie, de tout, de rien, de ses enfants, de la vie d'artiste. Une soie, une gentillesse, un humaniste. Donc, ce soir, je chanterai « Le cœur est un oiseau » pour Pierre, vous, moi, et tous les enfants de révolutionnaires, Jules, Jérémy, Hélène, etc. Ça se peut que j'ai besoin de vous pour la chanter, je n'y vous pas. Thank you.